Travail des apprentis en première année. Donc là, ils ont fait une journée de boulot, ils ont posé des parpaings et là, ils ont fait les blocs chaînage. Donc ce sont des blocs en forme de U et ils vont mettre un chaînage horizontal à l'intérieur qui vont venir attacher avec leur chaînage vertical qui est juste là. Donc c'est un poteau qui est incorporé ici dans les parpaings. Et on va couler le béton. Avant, on va coffrer. Donc là, ici, ils ont fait leur coffrage du fond de moule. Cette planche, on appelle ça le fond de moule parce que c'est la partie la plus basse. Ils ont mis des raidisseurs horizontaux, les étés. Et là, il ne reste plus qu'à plaquer les joues. Donc, ils vont venir mordre de chaque côté, ici, des blocs. Donc, à chaque ouverture, on fait la même chose. Donc, toi, ils ont fait ça à droite, à gauche et au fond. Donc là, il ne reste plus qu'à mettre des panneaux. Donc qu'ils fassent la hauteur là ici, donc là on a un peu plus de 20, plus la retombée là, donc on va prendre des panneaux, des planches qui font au moins 25, de manière à arriver bon ici, et ensuite on va tout couler avec les linteaux incorporés, voilà. Voilà le boulot, donc c'est pour le prochain stage, ils vont continuer, et ils vont faire également leur armature, donc ce sera un chaînage qu'ils vont mettre à l'intérieur, donc ils vont tout fabriquer eux-mêmes, avec les cadres, avec la cintreuse. Voilà. Gros boulot. On verra ça le stage prochain.